Gros rel, gros courri, gros de blozaï, escombrit, attaque, nèg exam nan, Tomazo, mesdames et messieurs, environ, et bien, gagne 4 moun qui déjà perdit la vie, et gagne plus que 20, et kaye en 20 maisons, et que nèg exam yo même, yo mette di fe la da yo, nan commune nan Tomazo. Pourquoi on a parlé là, la police, et bien, pas capable de poter coller avec la population dans Tomazo et c'est Gorel qui gagne deux mains en tête tout le monde après les parce que eh ben gagne plusieurs morts et gagne plusieurs blessés et gagne caille qui boule et selon toute information nèg ça a débarqué sur environ une vingtaine machines gros estomac yo poté bourré dans zone et sortant de a commencé simé la troublaille et bagay la vraiment dégénéré dans commune Tomazo que nous pral inviter ou gien détail dans vidéo ça mais faut que nous di ou et ces jours-ci bagay yo prend l'autre dimension la police ak population a bay bois calé et bandi on l'autre bord tout a attaqué mais est-ce que c'est force Kenya qui a venu qui fait nèg yo senti yo pral mourir qui fait nèg yo senti bagay la pral grave pour yo et yo commencé donc a fait ça ou gen pour faire d'avance et puis les Kenya envahi pays a pour toute nèg rentrer dans calio. Est-ce que c'est ça qu'a fait nous poko connait mais ces questions nous même tout n'a posé sans que nous poko capable joindre réponse et bien nous va inviter au gain détail gain tout Jean-Tel Joseph qui c'est eh ben ancien et directeur Bisapla qui lui-même sorti dans silence li pour parler avec un conseil 9 membres 7 membres 10 membres 15 membres que nous pas connait. Et bien, côté le voyons signal à un pinga clair, by moun sa yo. Et bien, dans le jour qui vient là, Guy Philippe pral mette pile à théa selon Jean-Tel Joseph, et yon même, yon pral multiplier toutes ressources que yon gagne pour yon capable by yon exemple avec conseil présidentiel là, jusqu'à quoi on a parlé là, kap fait théâtre, qui beaucoup capable de prendre aucune décision pour pays. On écoute pour plus de détails, bon écoute tout le monde, ou sous TV la caille, n'a pas tourné. Une amie vérité. Bonjour, bonjour, M. Delfort. Moi salue et moi salue tout auditeur, auditrice, capte toutes les radios. Télé-éclair, micro-vérité. Télé-éclair, exactement. Mais je pense que émission pour la seconde, l'autre, non. C'est toujours télé-éclair, vraiment. Mais je salue tout le monde qui a fait des noms. Mais comme étant donné, ou déjà signalé, ça a passé dans Tomazo, c'est depuis quelques mois, nous connaissons Tomazo et les sous contrôle et un groupe gang, nous connaissons très puissant derrière. Et chaque lieu. On parle de 400 Maozo. Exactement, 400 Maozo. Mm-hmm. Chaque lieu a décidé, ils prennent un quartier, ils contrôlent les lits et ils font tout ça que vous connaissez, que vous avez fait. Mm-hmm. Et certainement, également, c'est un quartier qui est un très grand dans Tomazo. Et l'équipe Nexa a gagné plusieurs mois. Il a signalé d'Allemand pour être capable d'intervenir pour faire ça ou faire là. Maintenant, comment la situation est, qui ça a fait, qui ça a déroulé là, ça a passé parce que Gampi les OS a lancé sur Tomazo depuis pratiquement hier. Qui ça a passé, qui ça a fait l'autre bois? Eh bien, moi-même, information que j'ai gagné rapidement. Et dans l'intervention que Negio fait là, je apprends que Negio est intervenu dans la zone avec environ 30, même 50 véhicules comme ça, motocyclettes et véhicules roulants. Voilà. Mais 50 véhicules. Véhicules roulants comme ça, machines et motocyclettes. Bah, ouais, oui, machines et motocyclettes. Cela veut dire que son planification qui était faite pour intervenir dans la zone. Ouais, d'après l'information que moi mené, m'apprends que. Gadou yon l'armée, quoi l'armée qui débarquait dans l'Allemagne. Et immédiatement ils arrivaient et ils commençaient à écraser, briser, mettre du feu, et puis ils ont l'école blanche, ou l'école mission qui était dans la zone, qui a fonctionné, plutôt qui tout toujours bail service à la communauté. Watson, je ne sais pas si c'est une radio, je ne sais pas si c'est une radio. Non, pour l'année passée, on connaît que moi, je suis venu pour m'enseigner dans le stade scolaire. Oui, cela veut dire que la pluie a continué à tomber. Ok, ça fait la pluie à cap fait bouillant. Donc, on dit environ 50 véhicules débarqués dans la ville là. 50 véhicules. C'est tout l'armée qui débarqué dans tout bazou. L'armée débarqué. En question, son planification qui était bien faite. Ouais, son planification qui était bien faite. Et parce que négocié quelques mois, il a signalé
pour intervenir dans l'Allemagne, vous n'êtes pas capable de gagner un groupe, oui, c'est un groupe jeune garçon qui a fait brigade dans la zone là. Ça t'est venu faire peur, vous n'êtes pas intervenir comme ça, parce que vous n'êtes exactement qui ça n'est qui est qui capable de répondre proportionnellement à ça qui est. Cela veut dire que nous ne connaissons pas qui dernière information vous gagnez pour vous connaître. Si vous rentrez, vous n'êtes pas capable de vraiment résister. Et puis finalement, vous rentrez et pendant hier là. Et puis, vous faites tout ça que nous n'entendons pas faire. C'est ça. Donc, c'est gros dégâts. Oui, on appelle les gars. Parce que son zone, son zone qui négligeait, c'est pour ça que j'aime dire Hadili, son zone qui négligeait, et autorité, il n'y a pas bail Tomazo assistance qu'elle méritait. Vous comprenez ce que je veux dire là, parce que Tomazo n'a pas jamais gagné un effectif et policier exactement dans la zone côté pour protéger la population. Et ça fait ouais, dans le moment que vous avez vu le commissariat, pas plus que trois policiers dans le commissariat. Ouais. Et vous pensez que c'est une zone où nous avons une priorité, vous connaissez que vous avez une base gang aussi puissante dans la communauté. Et vous pensez que le commissariat et pas la police, vous avez quitté la donne. Vous avez équipé les lieux. En cas où vous avez gagné une attaque, vous êtes capable de répondre. Vous êtes capable de répondre à l'attaque basse. Ouais. Mais la police n'est pas capable finalement. Elle pas capable. Donc c'est son ville qui livre à lui-même. Une ville qui livrait à lui-même et population même des gars livrés à lui-même parce qu'il a fonctionné c'est bonne volonté même monsieur Gamio derrière. Donc monsieur, alors tout compte ça au dim qui débarque à environ 50 véhicules, oui, pas joindre aucune résistance, pas rien du tout. Non, pas de résistance parce que groupe monsieur qui était là ouais pour te protéger zone là immédiatement. Yo, dit que contrôle nèg yo cap débarqué comme ça, bon ça pour la réfère. Voilà, pas dire le choix. Voilà, pas dire le choix. C'est ça qui passe là. C'est la guerre bas espace. Oui, bas espace. On nèg nous bien ça faire parce que yo venu en grand nombre et puis tout nèg qui matériel là mais yo pour yo faire ça faire parce que c'était déterminé. C'était bien planifié puis on était fait intervention. Voilà. Donc jusque là nous pas connait qui genre bon son situation est-ce que yo occupé ville là et pour on a parlé yo toujours là. Bon jusqu'à présent là depuis tout hier soir après toutes descendre lieu fait dans communauté là j'ai continué à faire va-et-vient à tirer intimider population là on était grand pile monde qui était quitté communauté là à la zone connion rambois à la commune ça et puis aller dans plateau central dans différentes communes qui gagnent dans plateau central et puis reste monde qui était yo obligé j'étais yo on prend monde pour yo aller dans l'autre commune yo et puis les gens continuent à tirer faire monde faire on tirer intimider monde et puis casser caille monde prend machine monde on prend machine monde fait tout appel là ouais ça nous là on les gens font plus de gars dans zone là. Donc, situation difficile, c'est très compliqué. En tout cas, très compliqué. Merci Watson, nous t'es content vraiment de parler ça avec vous. Et je pense que. C'est moi de remercier vous parce que vous êtes plus ou moins mettez dans l'air pour me mettre l'opinion publique au courant de ce qui a passé dans Tomazo parce que souvent, les choses ont passé, mais l'autorité centrale, les gens qui concernent, pas jamais qu'on est vraiment, ça a passé, ils ont sécurité et puis à nous-mêmes personnellement. Bon, c'est compliqué. En tout cas, merci. Merci. Merci voilà. Et la parole à toi. Voilà. C'est certain, c'est certain. T'as pas dit si il y a une évolution, mais nous allons retourner avec lui à tout moment. Donc c'est ça, situation en lit assez difficile, compliquée. Non, mais on a parlé à la nan commune Tomazo. C'est l'enfer. C'est son situation difficile que Mounio. Et habitants yo vivre et grand pile question qu'a posé là pendant n'a parlé de territoire perdu commune Gressier pratiquement 2 semaines moun yo a konnen l'enfer et ben la compliqué pour yo et c'est même bagaille là qu'a passé dans Tomazo. Watson dit nous c'est plus de 50 véhicules qui débarqué dans ville, c'est bien organisé, c'est tout on l'armée avec des matériels
matériel manche longue, gros causé, yo débarqué. On veut dire c'est planifié, c'est organisé. Donc c'est là, c'est à ça que n'a fait face. Pendant que l'autre commune qui retrouvé dans situation, on t'a regardé ce qui t'a passé dans la Tibonite hier avec madame Horace. Donc mais jodi a mais qui vient en situation lui-même campé un garçon à femme voyant pour nous voyer on pigarde avec caricom pour pas penser pour aller fouler toi nous en papier pour nous voyer on pigarde par une ce cette tête yo pour qu'on paye à des monde là-dedans yo pour nous voyer on pigarde à toute collabo qui pensait au café Haïti tourner en colonie n'a dit yo détrompé yo nous là réveil là peuple haïtien là nationaliste là n'a boumé jusqu'à la victoire finale. Merci.